Bonjour à vous mes clochettes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les nouvelles clochettes qui nous rejoignent sur ma chaîne. Et si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour l'unboxing d'une box beauté mensuelle à laquelle je suis abonnée depuis mais un moment maintenant, des années même. Il s'agit de la Prescription Lab qui est toute de noir vêtue pour ce mois de novembre et nous avons apparemment une collaboration avec Hiro. Nous allons en savoir plus de suite. Si cette box tout d'abord vous intéresse, j'ai un code de parrainage que je vous mets à l'écran. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Et restez également jusqu'à la fin de vidéo, j'ai une belle surprise pour vous. Tout d'abord, ce que je pioche en premier lieu, c'est le prescripteur. Vous allez y retrouver à l'intérieur le détail des produits reçus tout d'abord et plein d'articles féminins vraiment très sympas à feuilleter tous les mois, moi que j'apprécie vraiment. Ah, et nous avons un petit spoil dans la box de décembre, Prescription Lab et Bonheur Paris. Je ne connais pas la marque, mais ça m'a l'air d'être une marque de déco. Dites-moi si vous, vous connaissez, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Les box de Noël, c'est les meilleurs. Alors, pour le teasing pour ce mois de novembre, Prescription Lab et Hiro. En novembre, on s'associe à la marque de prêt-à-porter chic et rock Hiro Paris. À l'intérieur de la box, un porte-carte Hiro Paris en cuir véritable et une sélection beauté sur mesure qui répond aux besoins de votre peau et de vos cheveux pour la saison. Automnal, c'est une box qui a un profil beauté, il me semble. Et bah écoutez, on va commencer tout d'abord par l'accessoire en collab avec Hiro. Donc c'est emballé dans une petite pochette plastique. Et nous piochons là un joli porte-carte en cuir qui se présente comme ça. Donc vous avez un insert ici et de ce côté, donc c'est vraiment de très bonne qualité. Ce porte-carte extra fin, ça c'est vrai, en cuir noir lisse, comprend trois compartiments. Alors ah oui, j'en ai un que j'ai loupé ici là, sur le dessus. Donc c'est plutôt pas mal et puis c'est très joli. Devant, derrière et au milieu, il permet de ranger vos sélections de cartes indispensables pour votre journée de travail ou pour votre vie nocturne. Pratique, il se glisse dans votre sac à main quotidien ou votre pochette du soir. Donc moi perso, je pense y glisser ma carte bleue et ma carte déjeuner. Et au milieu, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, très belle idée pour ce premier accessoire et cette collab. Je trouve ça vraiment très bien d'y avoir pensé. Et puis en plus de ça, c'est vraiment très classe. Je pioche ensuite une marque que l'on reçoit beaucoup trop à mon goût. On l'a découvert, redécouvert, redécouvert. C'est de la marque Saeve. Après, c'est vraiment une très belle marque. Hein. Et là, j'ai le Lift Pinaster. Alors, je crois que c'est un produit que je connais pas, mais je sais pas comment le prendre. C'est un sérum botanique anti-âge fermeté. Ben oui, je vais sur mes 34 déjà. Il faut y penser. Redensifie, corrige les rides, antioxydants, sève fraîche de bouleau bio, pain titré en polyphénol et triptétide. Donc on a un format de 30 ml, c'est un full size. Donc vous aviez soit le anti-tache ou le anti-âge. Donc moi j'ai eu le anti-âge, donc c'est très bien. Selon votre profil beauté, recevez l'un des deux sérums Saeve. Le premier corrige les taches de toutes les origines, soleil, vieillissement, marque d'imperfection, etc. Donc ça conviendra à tous les âges hein, en l'occurrence, et aide à prévenir leur apparition. Le second, donc celui-ci, relance l'éclat de la jeunesse du visage et protège la peau contre le stress oxydatif qui peut provoquer l'apparition des signes de vieillissement. On va regarder immédiatement le packaging, je pense que c'est un format pipette, ouais c'est ça. C'est un joli format pipette et vous avez à l'intérieur une pipette en verre. Donc écoutez, pourquoi pas. Là en l'occurrence je le connais pas, donc je retire ce que j'ai dit, c'est plutôt pas mal. Par contre celles qui ont reçu le anti-tache, je sais qu'on l'a reçu mais à foison. Donc dites-moi lequel vous avez reçu et si vous êtes satisfaite ou pas de ce produit. Trop bien. Après j'ai un produit capillaire. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore les produits cheveux par-dessus tout. Contre les cheveux abîmés, le masque cheveux Biofitome. Ce masque cheveux aux ingrédients à 99,2% d'origine naturelle redonne à la chevelure toute sa force et l'hydratation dont elle a besoin grâce à ses actifs au beurre de karité bio, à l'extrait d'avoine bio et à l'aloe vera. Et moi j'ai un format de, enfin je dis moi, je pense qu'on aura toutes le même, 50 ml. Et ensuite, alors j'ai un produit de la marque Elikia, on a souvent des illuminateurs mais là non, c'est un produit make-up qui change et c'est très bien, c'est un eyeliner, j'en porte tout le temps. Comme un outil de calligraphie au pinceau ultra fin, l'eyeliner Elikia
par les paupières de son noir intense et longue tenue. La souplesse de son pinceau permet de compenser les tremblements des mains. Et du coup, on va voir de suite comment il se présente. Alors, c'est un pinceau souple, donc ça pour les novices, ce sera pas forcément le plus pratique. Alors, ils disent pinceau fin, je suis pas d'accord, ça va être difficile de faire des traits fins. Ouais, ça va être assez difficile de faire vraiment des traits extra fins. Donc ça, c'est plus, on va dire, pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus connaisseuses et qui utilisent vraiment ce type de produit, enfin, et le trait d'eyeliner régulièrement. Mais les novices, ce sera un petit peu compliqué, je pense. Et en cinquième produit, une surprise au choix. Et donc moi, ma surprise au choix, c'est un produit de la marque 5 Monde, Spa Paris. Donc j'adore cette marque, elle coûte assez cher. Et moi, j'ai un exfoliant graines et fleurs, affine le grain de peau, illumine le visage et le décolleté. Et j'ai également 20 ml, donc c'est très bien. Je suis curieuse par contre de savoir quel est votre produit surprise à vous. N'hésitez pas à me le dire. Mais c'est pas tout, j'ai également des petits prospectus. Donc là, on a un conseil d'utilisation, le rituel des princesses balinaises pour le produit 5 Monde, l'exfoliant. Et j'ai également un prospectus, j'adore les parfums, sur le parfum de la marque Majuri. Je ne connais pas du tout cette marque. Et vous avez moins 20% sur le site majuri.com avec le code PrescriptionLab. Est-ce que vous connaissez cette marque? Si c'est le cas, laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, pour accompagner ça, j'ai un échantillon. Ça sent trop bon. Du parfum Majuri, le Sweet Ambrette. Du parfum Majuri, le Sweet Ambrette, si c'est à l'ambre. Et c'est à l'ambre, c'est sûr, j'adore les parfums à l'ambre. Sweet Ambrette Explore. Ah mince, c'est en anglais. Je vous mets les notes en tout cas, c'est un parfum qui est fruité, bergamote, poire, on a également lily, ambre et musc, et le packaging se présente comme ça. Ça m'a l'air vraiment d'être assez luxueux hein, comme marque, dites-moi ce que vous en pensez, mais au vu du packaging j'ai l'impression que c'est pas donné. J'adore ce parfum, vraiment il sent super bon. Alors je pense qu'en plus de ça, c'est vraiment un parfum qui sera autant pour les femmes que pour les hommes. Il sent vraiment très bon. Alors, j'adore. Hein. Moi, recevoir des échantillons de parfums dans les box, j'aime trop ça. Si vous voyez ma collection de parfums, mes clochettes, j'en raffole. Et voici pour la prescription lab du mois de novembre. Je vous disais que j'avais une surprise juste pour vous. Je vous ai commandé une box juste pour vous, mes clochettes, à remporter. Je vous laisse regarder en description de vidéo si vous souhaitez participer au concours. Vous avez les conditions de participation et également le questionnaire qu'il faudra remplir. Et à l'intérieur de votre box à vous, eh bien écoutez, vous avez de très beaux produits. Et le produit surprise, en l'occurrence, c'est le produit Rituals. Et du coup, je suis en train de m'apercevoir que vous, eh ben écoutez, vous avez un produit en plus dans votre box. Parce que moi, j'en avais 4, il m'en manque un alors. Mais écoutez, moi j'avais 4 produits. Et là, je vois que vous, vous en avez 5 dans la box que je vous ai prise. Donc écoutez, tant mieux mes clochettes, tant mieux pour vous. Donc ce sera le sérum anti-âge, le produit Rituals, le masque capillaire Biofitum, le produit 5 Monde exfoliant et l'eyeliner de la marque Elika Beauty. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi mes clochettes, que ce petit concours inattendu vous fait plaisir. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Surtout restez connectés, il y a des calendriers de l'Avent qui arrivent, mais également plein de box en tout genre et pas que. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, bye bye.